Ouf. Salut les gars, bienvenue à la maison, toi tombe pas. Aujourd'hui je vais transformer mon jardin en un bike park. Enfin bike park, enfin, en tout cas on va avoir un trampoline, un matelas. Là j'ai récupéré des palettes et du bois pour pouvoir me construire des tremplins. Et là j'ai déjà préparé avant la vidéo un beau tremplin, venez voir. J'ai fabriqué ce tremplin, c'est quand même assez gros, hein. Il m'arrive à la hanche, il doit faire je sais pas 80 cm de haut, une belle courbe. Et là donc aujourd'hui on va faire les basiques avec le street trial. Je vais essayer backflip, je pense que je vais essayer front flip. Et après avec le trampoline je vais essayer une petite figure que vous allez voir. Donc bah écoute, je vais amener ça là-bas, là près du matelas. Et puis on attaque peut-être avec le backflip. C'est parti. Hop. Comme ça ici, je prendrai la prise d'élan de mon potager. Tiens, viens voir, regarde. Viens voir mes tomates. T'as vu mon petit potager, comme il est beau? Les tomates bio du jardin, avec mes courgettes. Là, s'il y en a une, regarde. Deux même. Petits haricots qui sont en train de pousser, voilà quoi. Donc là, je vais prendre l'élan d'ici. Je vois de quoi pédaler. On va faire un petit backflip. Et on va mettre le matelas. Aujourd'hui, le but, c'est pas de se faire mal. On va se mettre le matelas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du trampoline pour déjà avoir le feeling. Et ça, c'est très bon. C'est la marque Econ d'ailleurs qui m'a envoyé ce trampoline. D'ailleurs, je les remercie, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'en freestyle, en vrai, le trampo, ça fait des bonnes bases. Genre pour apprendre un peu backflip ou quoi. C'est le truc que j'avais peur avant de l'avoir, ce trampo. Vas-y. Pas à l'aise encore, hein. Trise pas trop. Ouah. Et le front pour tout à l'heure, tu vois. Voilà. Chou. Après, on essaiera avec le vélo, je vous garde un peu. Les surprises. Allez, premier essai du bac. Ouais, je vous ai pas montré, du coup c'est avec le street trial que je vais faire ça. Du coup au moins ce qui est cool avec le street, c'est que ça ressemble un peu au BMX. C'est assez petit, ça tourne bien. Moi j'aime bien, franchement c'est pour faire les tricks, en vrai c'est le meilleur vélo que j'ai. Que l'enduro, faut faire des gros sauts, prendre beaucoup d'élan et tout. Sur des petites rampes comme ça, c'est un peu galère. Là le street au moins, normalement ça devrait bien aller. Je vais même mettre une petite dorsale, tiens, pour l'occasion. C'est pas comme s'il faisait 40 degrés dehors, tu vois. Là, j'ai même pas encore commencé, que je suis déjà tout transpirant, mais... La protection avant tout. Et le casque. Peut-être faire un saut à blanc, parce que je t'avoue qu'un backflip comme ça, je crois, moyen. T'es arrivé loin, non? Ouais, je suis arrivé loin. Bon, après, je fais un saut à blanc, là, mais... Je pense que... Attends, ce que je vais faire en sécurité, j'ai d'autres matelas, je vais les mettre à la fin. Damn. Presque first try. Presque plaqué. En vrai c'est chaud parce que quand t'arrives dedans là t'es arrêté direct. C'était propre. Non, voilà. Ouais, il était bien. Moi hein. Bon, j'étais à plat, limite sur le tapis ça passait. Je vais m'en refaire deux ou trois et peut-être que je l'ai jamais fait encore. Vraiment je le sens, j'enlèverai peut-être le gros pour mettre les petits, mais peut-être, je garantis pas. Hein. Oh. Un peu court. Ça va? Un peu court. Heureusement qu'il y a des haies, hein. C'est pas mal aussi ça fait matelas. Moi c'est mon défaut. C'est souvent le premier, je le tire et ça passe, et le deuxième, je me dis toujours bon bah t'as un peu de marge, je chill un peu dans les airs, ça rentre pas. Trop de confiance. Bah allez, troisième, tant que ça passe pas trois fois de suite, j'enlève pas celui-là. Ok. Damn. Oh, ça roulait presque là. La troisième, c'est la bonne. Et ça passe. Trois, c'est bon. Wouhou. Voilà, ça fait plaisir. Content, tu vois, ça commence à rentrer le backflip. Alors de là à enlever le matelas, j'ai peur. En vrai, là, si je le fais comme ça, c'est propre. Mais dès que j'enlève le matelas, moi j'ai peur. Mais si tu mets les deux là, au pire lui tu le mets sur le côté. Je le mets là-bas. Il sert à rien, mais psychologiquement il sera là quoi. J'arrive vers où à peu près? Vers là, non? Ouais. L'arrière. Ok, nouvelle installation. Mental. J'aimerais trop faire une vidéo avec un mentaliste et il te déconnecte. Et il se dit vas-y tu rentres, ce serait possible en vrai. C'est un mentaliste qui te débloque vraiment. Fabien Olicard. Voilà. Appel à Fabien Olicard. Identifiez Fabien Olicard dans les commentaires. Et j'essaierai de faire une vidéo sous hypnose où il me fera faire des figures que j'ai peur, genre ça. Il me dit ouais, il t'enlève tout, il me déconnecte le cerveau et j'y vais direct. Let's go. Je suis sûr que ça pourrait être super intéressant. Bah là en tout cas j'en aurais besoin peut-être. Allez, bon, je parle trop là, faut y aller. T'es prêt? Ça passe tout seul. Merci Fabien. Je sais que t'étais là pour me déconnecter. Ouais, ça passe tout seul, mais il fallait pas plus, hein. Ça allait nickel, hein. Sans rien, c'est impossible. Non, sans rien, je le fais pas. Ça c'est sûr. J'ai pas envie de mourir. D'ailleurs, ceux qui ont suivi mes derniers exploits dans le jardin, je me suis fait un œil au beurre noir. Photo ici d'ailleurs. Regardez la gueule. Donc on va y aller tranquille. C'est voilà, ça me va. Petit matelas, c'est pour le confort. C'est plus pour la sécurité. C'est juste pour. Eh ben, enlève un matelas. Enlève un matelas. Fabien Olicard.
Ok, j'enlève un matelas. Pas de soucis. Bien, tu veux que j'enlève les deux ou pas? Oula. Là, le problème, c'est que c'est pas Fabien, c'est le caméraman qui parle. Et ça, c'est pas le bon conseil. J'ai le droit de me reposer ou pas dans la vidéo? Ouais. C'est pas un live, hein, j'ai le droit de couper, tu sais, la. Ouais, ouais. Ok. Oh là, tu sais qu'avec un matelas en moins, ça t'a tapé. Ça tape fort le fond. Hein. Ah, allez, on s'arrête là, c'est bon. À moins que Fabien me dise de le faire. C'est Fabien qui te parle. Je suis dans ta tête. Je le fais, c'est pour un comme tu le sens. Je l'ai jamais fait de ma vie. Mais en vrai, si je fais les vidéos YouTube, c'est aussi pour me dépasser. Ça fait beaucoup de backflip déjà pour la vidéo. Hein. C'est vrai. Hein. Cette vidéo est faite de 10 minutes de backflip. Ah, j'ai envie d'essayer. Je suis sur un bon mood en vrai. Moi, je pense que tu l'as. Il y a des jours où tu te dis, j'ai pas envie. Et là, il y a des jours comme aujourd'hui, tu dis, j'ai envie. On va profiter de cette journée et on va y aller. Je vais rajouter le petit détail de la vidéo. Un poney qui me regarde. Ça, c'est la différence. Ça porte l'œil. Allez, go. Une fois. Je me le filme pour TikTok. Vas-y. T'aurais pu dire d'ailleurs mon TikTok. D'ailleurs, mon TikTok, hein, c'est Aurélien Fontenoy, vous le connaissez. Hein. Instagram aussi, ça marche. Hein. On est pas mal. Pour toi, Fabien. Pour toi. T'es prêt? Oh yes! Ça a tapé un peu dans les chevilles, mais c'est passé. Merci, ça mérite le petit pouce bleu, ça, pour commencer. Yes! Ah, j'ai trop soif. Premier défi réalisé. Ça, ça fait plaisir. Du coup, bang. Bangster, berry ou lemon? Tu veux faire quoi, toi? Si tu veux, je t'en passe une. Berry. Berry, tu veux? Vas-y. Je prends les. Boisson sans sucre, sans calories. Et ça, normalement, avec la caféine qu'il y a dedans, bon, ça va rebooster un peu. En vrai, ça passe bien là, bien frais pour l'été là. Ah, une bonne canette comme ça. Ils sponsorisent la vidéo, vous les connaissez forcément. Et je les remercie parce que c'est grâce à eux comme ça qu'on peut déjà vivre du vélo et continuer les vidéos. Payer le caméraman au passage. Ça fait plaisir. Ah, je l'ai torché la canette. Après le backflip, front flip ou trampo? Trampo, tu veux direct? Vas-y hein. Alors, je t'explique le concept. Je prends ce truc là. Je le mets de l'autre côté du trampoline. J'arrive avec de l'élan. Je fais saut trampoline et là je pars en front flip. Vas-y, t'as les couilles de faire ça là? Avec Fabien, je suis prêt à tout hein. Même si tu veux, je te fais double front hein. Ok, ok. Fabien, il m'a déconnecté là. Ok. Tu veux, je saute même par-dessus la haie. Ce que tu veux. Là, ça réfléchit hein. Je crois que Philippe Cantenot avec la recyclerie, il a peur là. Avec une aussi belle construction que ça, il faut freiner après. C'est comme les airbags, tu sais, qu'ils ont à la fin. Moi, j'ai une haie. Après, j'y mets le gros matelas. Bah, le truc, c'est que le trampoline, tu sais jamais comment ça va t'envoyer. Mais je vois pas comment tu veux atterrir, là. Ah, et là, je fais le front. Ok. Ok. Atterri sur le matelas, déjà. On a l'idée ou pas? Ouais. Ouf. Merci le tapis. Ah non, il se rapproche. Oh non. Ah, j'étais sur la roue arrière. Pas ici. Bing. Allez. Ouf. Putain, je suis arrivé à côté du tapis. Fabien, mais qu'est-ce que tu m'as fait faire? Ah, il comprend rien à ce que je lui dis. Hein. Ouais, peut-être que je vise le tapis quand je le fais. Non, ah, il était validé celui-là. Ouais. Ah, je suis resté planté là-dedans quoi. J'ai eu un putain de rebond du trampoline. Yeah. Yes. Super. 2 sur 3 défis validés. Est-ce qu'on fait un vrai front flip maintenant? Comme je t'avais dit au début. Sur de la vraie maintenant terre. Que je le maîtrise un petit peu. Je me laisse 3 essais pour rentrer à fond de flip, ça te va? Vas-y. Comme ça les gens, je les saoule pas à faire 15 000 fois l'essai. On se retrouve après la construction. Hein. Sacré sortie. Pas mal ce troisième défi. T'as bien fait de me le garder en troisième parce qu'en vrai, il est presque plus dur que le trampo. Allez. Bra bra. Foup. Tu mets en avant. Comme t'arrives loin. J'ai rien envoyé dans le tremplin. Ouais, ça va pas être simple, hein, mais on va le faire. Oh, putain. Oh, ouais. What the fuck. Oh, j'ai bouffé les dents. Ah ouais. Oh, j'ai fait un trou dans ma haie là. Bah, heureusement qu'elles étaient là. Ça va? Putain, j'y étais. En fait, je me suis fait
catapulté par le matelas. Ça se valide pas trop ça, non? Je vais mettre là le matelas. J'étais pas loin là. Ouais. Ça veut dire que le troisième c'est le bon normalement. Quatrième là? Troisième, c'est moi qui fais le montage. Oh non! Oh, il était validé celui-là. Pourquoi t'as freiné? Ah, non mais en fait j'ai pas freiné, j'étais bloqué là-dedans. J'ai pas réussi à en sortir. Okay. Ah, j'ai le démon. Non. Je peux pas finir. Ok, donc ça sera le dernier. Non. Ah. Tu vois, j'ai bien fait de mettre ce matelas. Putain, mais je reste encore bloqué dans ce tapis là. Moi j'ai la technique. Oh. Oh, faut enlever les matelas, tu vois, ils tombent tout seuls. On enlève ce gros là. Non, 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 jamais de la vie. On enlève tout, on met des clous. Ce que je fais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je tire légèrement. Comme ça, ma roue avant, en fait, elle va plaquer derrière. Et elle va pas plaquer sur le matelas. En tout cas, skip, c'est le dernier essai. Dernier essai de la journée. J'en peux plus, moi. Ça va. Non, mais pourquoi? J'en peux plus de cette journée. Je suis mort. J'y retourne ou pas? Je sais pas, mec. Il y a toujours un gars qui va mettre un pouce vers le bas si j'y arrive pas. Faut que j'y arrive. Allez. Faut jamais lâcher, les gars. Quand vous avez des rêves, moi je veux faire ce front flip, il faut le faire. C'est bon. Yeah yeah. Petite danse. C'est terminé la vidéo. Fais une danse. Ah. Merci. Pensez à vous abonner à la chaîne de Fabien Olicard. Vraiment, c'est un bon coach. Mouah. Merci Fabien. Mouah. Lâchez un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Ciao les gars.